Bonjour à tous mes amis, c'est parti, nous allons partir sur ce jeu PUBG, un jeu de survie, un jeu qu'on doit contrer plus de 100 adversaires. Voilà mes amis, je vais rien tenter, je vais juste explorer ce jeu avec vous. Vraiment, ce jeu promet, c'est un jeu tactique et vraiment réaliste. C'est parti mes amis, j'envoie le gameplay. Voilà, donc moi j'ai mon personnage, je l'ai évolué selon mes moyens, bien évidemment, selon mon évolution dans ce gameplay. Donc il faut savoir que c'est un jeu de stratégie, c'est 1 contre 1. Voilà, tu dégommes ou on te dégomme, t'as pas le choix. Donc moi honnêtement, j'ai consacré peut-être 3 ou 4 heures pour réaliser, si je dis bien, un top 20, pas plus. Donc il faut que je m'adapte, il faut que je me calibre sur les armes, tout ça, et comprendre en fait ce jeu. Et vraiment, il faut être agile, rapide, il faut pas perdre de temps, honnêtement. Voilà, donc là, nous sommes directement sur notre personnage, il est là, il est devant vous. On va attendre un peu que le graphique, voilà, se stabilise. Voilà, donc nous sommes sur une carte Asus 1070, une GTX qui vraiment a du potentiel. J'ai quitté la Inno 3D, malheureusement elle a pas tenu pour des raisons peut-être de fiabilité, on s'en fout, mais c'était une carte Inno 3D que j'avais, franchement aussi elle était bien au prix que je l'ai payé. Je remercie le commerçant qui a fait l'échange de ma carte parce qu'elle était garantie. Je remercie à ce commerçant, il m'a envoyé une carte Asus GTX 1070. Voilà, c'est parti. Donc nous sommes là, on a la carte. Donc la carte, c'est une carte comme un GPS, patatac, tac tac. On n'a pas besoin de rentrer dans les détails. Voilà, pour pas te saouler aussi, bien évidemment. N'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit. On le répète à chaque fois parce que sur YouTube, on en a besoin, honnêtement, des gens passionnés, des abonnés qui nous suivent. Et surtout, moi, tu me suis, mais tu peux échanger, tu peux participer. Moi, je cherche une équipe, une team pour s'éclater, soit sur PUBG ou Fortnite ou Call of Duty. Il faut que je saute. Désolé, voilà, Call of Duty, je me répète, où on peut jouer aussi sur Far Cry 5 qui vient de sortir. J'ai des vidéos, hein, tu peux visiter ma chaîne et regarder, hein, on joue en mode cup avec un youtubeur, Abdel, qui est en Belgique. Donc je suis très content de l'avoir connu et on partage Far Cry 5 en mode cup multijoueur et franchement on s'éclate. Voilà, donc là je prends mon parachute, franchement il faut descendre vite fait, hein, voilà. Honnêtement j'ai même pas paramétré de clavier, hein. Je suis en train de naviguer avec les lettres, hein. Tourner à droite, bah, il faut appuyer sur D, tout ça, c'est un peu casse-tête. Donc j'aurais dû paramétrer mon clavier avec les flèches, ça va plus vite et c'est plus facile. Donc n'oublie pas de paramétrer ton clavier ou ta manette pour être plus agile, rapide sur ce genre de jeu de survie. Moi j'appelle ça de jeu de survie. Alors on y va, je m'installe. Donc je te propose de vivre avec moi cette petite aventure de gameplay. Je promets pas le top 10, top 1 ou top 15. Le mode, voilà, moi j'essaye de jouer tout simplement, de m'éclater pour le fun. On prend un gun, voilà, tap tap, on charge. Je sais pas si on va aller loin avec ça. Voilà, c'est parti. Tap. Oh, c'est quoi ça? Une bouteille, on s'en fout. On va voir les dépôts. Putain, si on trouve une calache ou un truc, c'est le top. Une grenade, on en a besoin. Des bottes, j'en veux pas. Dans ce jeu, moi je préfère rester pieds nus. Pourquoi? Parce que c'est une technique de mon ami Abdel qui m'a conseillé de rester pieds nus pour pas qu'on entende nos pas. Voilà, t'enlèves tes chaussures à la tunisienne, comme tu veux. On se croirait à la plage. Je continue. Voilà mon ami, j'espère que ça te plaît. On continue cette aventure. Putain, je suis mal. Hein. Voilà. Un sac à dos, on en a besoin, niveau 1. Essaye de prendre les objets niveau 2. Ça résiste plus à tes adversaires. Quoi? Tu meurs moins, en fait, t'as bien compris. Allez, on part, on y va. Crac crac boum boum, ça c'est ce que je dis sur Fortnite, hein. T'inquiète pas mon ami, moi je veux que tu te sentes bien sur cette chaîne et que tu participes ou tu visionnes mes vidéos. Et tu peux me contacter, me solliciter et jouer avec moi.
putain, je suis mal, hein. Oh putain, je suis mal, hein. Donc, tu peux changer la vision avec V, hein. Tu peux être comme ça ou comme ça, hein, d'accord. Moi, je préfère comme ça. Ça me fait rappeler à Call of Duty. On est plus agile. Moi, je suis plus à l'aise, en fait. Je t'impose rien. Je suis plus à l'aise. Voilà. On y va. On arrive dans un petit village. En fait, t'as les petits points, là, devant toi, sur la carte, hein, sur ta droite, tout en bas. Et il faut suivre les points pour arriver, bien évidemment, sur le point où tout le monde doit se rassembler. Parce que sinon, la carte rétrécit. En fait, on appelle ça les zones. C'est des petites zones. Et c'est pour donner un peu plus de peps au jeu. Voilà, bon, je vais pas te raconter, je vais pas te donner plus de briefing, tu connais vraiment ce jeu. Voilà. Putain, voilà, ça, c'est le rêve. Un casque niveau 2, voilà. Oh ! Ah, il m'a dégommé avec le fusil à pompe, tu vois mon ami ? Crac, crac. Boum boum, et je suis mort. En fait, 46ème. Je voulais vraiment faire un frag devant toi, mais malheureusement, je n'ai pas pu le réaliser. Voilà ce jeu. Comme tu sais, PUBG est un jeu de survie. Un jeu 1 contre 1. Et il y en a toujours un qui reste. Voilà mon ami, j'espère que cette vidéo t'a plu. D'ici là, porte-toi bien et à bientôt.